Et voilà, bienvenue dans Testing Lab, donc sur Testing Lab Retro, donc sur Super Bomberman, dans une version, si nous appuyons sur une touche magique, vous allez découvrir que des pros vont jouer en direct devant vous. Alors voilà donc des personnages, bon, qui jouent plus ou moins bien, bon, on va laisser quand même, classique quand même, Bomberman, voilà. Et donc, les pros, ils vont vous montrer, on va vous montrer comment ils jouent les pros. Ça met un peu de temps, mais ça va arriver. Voilà, les pros jouent comme ça. Pas la fin. C'est très rapide, comme. D'ailleurs, nous allons jouer comme ça, car nous sommes des pros. Non, si nous ne voulons pas nous faire ridiculiser par l'ordi. Donc nous sommes sur Super Bomberman, donc via un émulateur, donc c'est pour ça qu'on peut truquer le truc. En version Speedy Gonzales. Donc Super Bomberman, donc sur Super Nintendo, donc c'est l'apparition de, donc oui, sur Super Nintendo du CR, poseur de bombes qui a fait le tour des consoles dans les années 80 et 90, c'est une nouvelle fois. Il va tout péter, parce que là, il va exploser des ennemis en présent sur l'écran pour progresser dans des niveaux et atteindre des boss à éliminer. À noter au passage qu'il s'agit de l'un des premiers jeux à utiliser le Super Multitap. Pour pouvoir jouer à 4, ce qui ajoute un grand intérêt de battle. Le but est d'éliminer les autres poseurs de bombes. Ça a été édité et développé par Hudson Soft sur un type de action très tactique. Et c'est sorti en 1993. Et oui, ça ne rajeunit pas pour ce Testing Lab Retro 29. Et oui, tiens, on va mettre des ordis plus ou moins intelligents quand même. Oui, bah, plus ou moins intelligents. Oui, laissez-moi en mode. Vous voulez que je mette le code Non. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore. On va voir. Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire mettre ça. Parce qu'il y a un code en fait. Warp c'est pas mieux. Il y a des codes qui vous permettent d'accéder directement à des stages, mais bon. C'est pas très joli, hein. Allez, ouais, on est parti. Alors, le petit noir, c'est le petit Flo-Flo, et le petit blanc, oui, c'est le petit Mante. Et le bleu, c'est un figurant. Et oui, et comment tu fais pour poser X toi? Ah oui, exact. Depuis tout à l'heure, je tourne dans le cadre, là, il me dit, mais Flo, il fait quoi? Et oui. Je fais tâche dans le décor. Oula, oui, d'accord, j'ai fait me choper le... Les petits bonus. Et les méchants bonus également, comme on peut voir à côté de Flo-Flo. J'ai failli prendre tout à l'heure sans faire exprès. Le mec il pète pas. T'as dû prendre un bonus qui. Alors c'est moi peut-être qui ai pris un bonus pour ralentir le temps pour toi. Je sais pas. En tout cas, ma bébé commence à avoir une certaine onde de choc. Démonstration. Avec les bonus, ça devient dangereux. Bonjour monsieur, vous êtes chaud. Ah. Arrête de dire des conneries, d'accord, promis. Voilà. J'ai même pas vu que je me suicidais. Il a rien fait. J'avoue, je sais qu'il y a un petit... crevard, hein. Et on l'applaudit bien fort, oui, tout le monde est content, on a... Bon bah voilà, c'était Testing Lab Retro. L'épisode très court. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, si, c'est juste marrant, voilà, comme ça. Et une revanche. D'accord. Rien que pour vous. Bon, après, on va s'arrêter là. N'importe quoi, c'est Testing Lab Retro. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on veut que vous dise, à part que vous pétez des blocs comme ça après en mode multi, faut vous péter des blocs et après bah vous posez des bombes. Et la rigueur, vous pouvez aller aux chiottes pendant que vous jouez à la rigueur. Ça vous permettra de péter autre part. Oui, ça, parce que vous pétez des blocs en l'occurrence donc. J'ai pété un bonus. C'est malin. Ah bah dis-moi, je chauffe presque. Et j'ai dit que les bombes ça se foutait pas dans le cul. Ah pardon. Je prenais comme un suppositoire à la, à la base. Voilà. Ah.
En fait, vous posez juste des bombes comme ça, puis c'est tout, hein. Bien sûr. La bataille pour le bonus. Bag. C'est les gros merdiers. Oh les merdiers. Attends. Oh le grand merdier. Oh non, c'est quoi ce stylé de rétro de... Oh non, 3 secondes de la fin. Oh le grand merdier. Oh le gros merdier pour cette émission. Qu'est-ce que c'est que ça? On recommence. Tout stylé de rétro, la seule émission où vous pouvez faire des conneries. Toujours Toto. Toujours Toto le matin. Oh non, ça s'arrange pas tout ça. Ah merde! Et il s'est tué! Victoire éclair! Bon, on va s'arrêter là, c'est la fin de ce testing live! Ah non, c'est pas la fin car je dois aller défoncer le mec qui sert à rien! La pouf qui fait tâche dans le décor. Bon, bah, tu manges, ouais, tu le tues, c'est bon. Bon, voyez-vous. À deux, vous voyez, vous faites des conneries, hein. Franchement, à plusieurs, c'est meilleur, hein. Vous avez pas mal. Bah, où est-ce qu'il est ? Ouais. J'ai... Ah, oui. Ah, je crois que tu l'avais vraiment posé en plus. Ah, bah oui. Et on n'est jamais trop sûr. Et voilà, ça fait deux, on va la faire arriver. Et la feu est en délire, et oui, nous sommes contents car ce testing game est terminé. Adieu. Ah déjà. Vous voyez bien c'est l'éliminateur. Non, on va vous mettre encore un petit match et puis basta, ça le fini. J'ai mis au hasard. Comment choisir rapidement. Bon. Si vous, voilà, on va vous faire un télastétique speedrunner. Hein. Voilà. C'est parti. Oh non, déjà. Oh merde. Et c'est reparti. Ouais, je suis mort. Bon, allez, je passe la vitesse au max quand même. Ah merde. Ouais, l'ordi est gagné. Oh merde, ouais. Je suis mort aussi. Et l'ordi a gagné, c'est magnifique. Et on applaudit l'ordi qui n'a rien fait mais qui gagne, c'est magnifique. J'ai bien aimé le match, franchement il était beau. Hein. J'ai pas eu le temps de voir toutes les subtilités mais... Moi non plus. Bon, et si on faisait un deuxième testing live sur un truc rapide, hein, au passage. Alors, qu'est-ce que nous avons... Voilà, on va changer de jeu en direct, voilà, on vous a montré Bomberman. On va faire un deuxième testing live rapide. Rétro, voilà, on reste sur le même épisode, mais on va... Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, alors qu'est-ce qu'on va prendre? On vous a montré Super Bomberman, mais voilà, on va vous montrer un autre jeu, alors qu'est-ce que tu veux qu'on nous montre? Je sais pas, on va rester sur les Super... Allez, Super Mario, tiens, Super Mario All-Star. Ah bah, t'as qu'à faire. En plus, avec l'édition Super Mario World. Eh ben, on va prendre Super Mario World. Le truc à oui qu'on avait fait. Super Mario The Lost Level. Ah, pourquoi il y a un hamburger qui s'envole? Parce que c'était le truc version USA. Vous êtes sur Super Mario The Lost Level, le jeu super compliqué de fou là. On va faire chacun son tour. Ouais.
Bon, ça va vous rappeler des bons souvenirs, vu que je vous ai fait un test live rétro déjà sur Super Mario All-Star. Alors, vous avez montré Bomberman en vitesse, et puis maintenant voici l'épisode Super Mario All-Star. Oh là là, mais il a de la chatte ce gars. Oui, mais je joue mal, moi, je trouve pas ça maniable. Ah, d'accord. Oh, si, c'est maniable. Il faut juste que tu aies l'habitude. L'habitude. Ah, j'aime bien. D'accord. Non, il n'a pas l'air d'accord. Oui. Avance le petit souris. Attends, moi, je peux peut-être que... Vas-y, essaye. Ah, je suis pas mal. Ah non. Ouais. Montre-nous ce que fait vraiment un pro de ces jeux-là. Non, t'es gouré, c'était entre les deux poteaux qu'il fallait aller. Fallait marquer un essai. Avec Sébastien Chabal, version avec une moustache. Voilà. Ah, finalement, je suis pas si mauvais que ça. Mais tu m'as et la pas... version améliorée. Bon bah... Ah non, ça, je vous déconseille ça. Parce que c'est un éliminateur comme vous l'avez vu, parce qu'on a changé de jeu après Super Bomberman, maintenant vous avez... Vous avez une méthode, c'est que vous pouvez avancer le jeu à pleine vitesse. Voilà, je vais directement, parce que c'est trop long à attendre. Oui, voilà. Toi, alors, nous allons vous montrer comment gaspiller 5 vies en un niveau. Non, bon, allez, on va essayer de finir le niveau. On va arrêter nos conneries. Non, parce que c'était des conneries. Logiquement, oui. On laisse le public en juger. J'aimais plus la fin. Putain, pourquoi sortir l'émission? Oh non. Mais j'atteins le drapeau. Et donc, hein, Mario a une crampe. Ouais, on a fini le premier niveau. On a gaspillé 4 vies, mais on a fini le premier niveau. Maintenant, on va la faire en version On a compris ce que tu voulais dire. En tout l'assisted speedrunner, voilà. J'aime bien. Ah, oh, l'émission rétro, elle va être énorme, ça aussi. Celle aussi. Wouhou! Wouhou! Oui, bah maintenant il faut aller dans le trou. Non, c'est pas le but. C'est j'ai compris. Ça a mis le temps, mais j'ai compris. Il a fait du Mario Golf version humaine. Bah, en fait, je suis en train de jouer à Mario Galaxy en ce moment, j'avais pas compris pourquoi j'arrivais pas à voir des étoiles. Mario Galaxy 2, pas si son. Oui. Wouhou! Wouhou! Ouais, non, c'est pas le vrai créa Mario. Ouais. C'est Homer Simpson mélangé avec. Ah, bien joué, ça a failli être dans le trou. Bien joué. Ça fait mal au cul. Ça pique. Ouais! On se bat! Et maintenant, je vais vous montrer le. C'est bien avec les émulateurs et le jeu, c'est qu'on peut choisir le niveau sur lesquels on veut aller, par exemple, là, bon, bah j'en ai marre, on va prendre le niveau maximum. Ah non, on peut faire que les niveaux qu'on a atteints, merde. Jusqu'à 2, oui. Alors, ah non. Oui, 2-2, il est bizarre. Erase file, no. Ah bah si. Ou sinon celui-là, je crois qu'on va faire l'affaire. Et bah, on va faire l'affaire. Et le Super Mario. Pas besoin de présenter. Wouhou. Je vous invite personnellement à revenir à l'épisode de TCM Retro sur Mario Star Spécial. Il avait déjà été fait celui-là, non? Oui, mais pas en deux joueurs, en mode déconnade ou conneries comme ça. Strike. Checkpoint. Et c'était l'épisode de... Wouhou! Bien joué. C'est ce qu'on appelle un but. Et c'est le but! Voilà. Allez, on va voir le pro. Nous avons entendu un petit klaxon. Eh oui, nous sommes dans une ville. Non, c'est le Tour de France qui va passer. Oui, bien sûr. Dans la ville que nous nommerons par Bip. Nous sommes à Bip. En direct de Bip.
Kuni pour son bip. Son ketchup. Ça, je le connaissais pas. Moi non plus. Chauffeur, si t'es champion. Appuie sur le champignon. J'avoue. Ah. Eh bien, il a réussi à ne pas faire ça. Parce qu'on s'en fout. C'est ça l'avantage également, c'est qu'on peut sauter les cinématiques. Ah, mais ce niveau-là, mon frère ne l'aimait pas. Comme ça pique. Eh non, ne veux pas. Je préfère critiquer. Ah bon? Ah bah si, j'avais su. J'aurais continué à jouer. Ah, on t'a laissé dire en direct des belles phrases d'amour. Oh là là, il va aller loin cet épisode rétro aussi, hein. Il est énorme. Ah, que... Mais passe ta cinématique, je te dis. Attends, bon. Attends, je vais te passer la cinématique. Non, c'est bon. Et c'est dans le mille. Là aussi, c'est dans le mille. Eh oui, quelle force, il arrive à viser en plein dans le mille deux fois de suite. Non, je cherche pas avec des pièces. Non, parce que j'ai autre chose à foutre. C'était stylé. Je serais capable de faire ça sur Mario Galaxy, mais à part ça... Let's go. J'ai dit appuie sur le champignon, pas saute sur le champignon. Quelle force, mes amis. Il va courir. Oh ! Eh oui. J'avais réussi à passer, moi, en portant le truc, hein. Ouais, je recommence depuis le début, c'est ça que je veux. C'est salaud sur ce niveau, ouais, je m'en rappelle. Attention, ça fait pic. Ça fait... Continue. Non, ça, là, tu peux passer, là. Ça ne sert à rien, tu peux accélérer, ça ne marchera pas. Ah, bon, dommage. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre comme jeu là-dedans? En fait, tout. Hein? Bloop. Le super bloop. C'est n'importe quoi. Attention. Et la roulette tourne. Et c'est le numéro complémentaire et le... C'est pas Mario Bros 3. Ah, je veux bien. Ah bah ça alors, il y en a aucun qui a été fait, mais c'est une honte, monsieur. Oh, t'aurais pu mettre deux joueurs. Ah pardon, j'avais pas vu. Autant pour moi. Nous revenons à la page d'accueil. Non, bon, on s'en fout. De toute façon, ce sera rapide. Parce que je vois que l'heure tourne. Va avancer. Oh là, mon dieu, c'est pas possible. Ah bah j'y meurs. Non. Ça devient n'importe quoi cette histoire. Allez, vive les épisodes rétro, tiens. Tu sais, mais il y a moyen de... Il y a un autre moyen de... Comment dire? De quoi? Je vais pas le dire. Non, après, c'est une idée qui va me prendre. Non, mais tu sais, au début, il y avait un moyen de mourir plus rapidement. C'est bon? Ouais. Je crois que tu me l'expliques, tu veux. D'accord. Bah, à mon avis, allez, les amis de D-Machine auraient dû s'en douter. Tu veux que je te montre? Ah bah, attends, je regarde. Alors, je vais essayer de vider. Voyons. C'est quoi là? Non, c'était pas comme ça. Il y a un bouton pour mourir. Oui. Where is le bouton? Il est caché. C'était caché. Où est-ce qu'il est le bouton? Il est à la fin. Le bouton pour mourir? Ouais. Mais non, mais c'était nul. Elle peut faire comme ça. Oui, ça je connais, oui, merci. Voilà, il fallait se mettre comme ça. Merde, vous voyez pas dans ce... Non. Voilà, vous mettez comme ça.
Eh ben non. non. Oui, c'est... d'accord. Je fais il a bloqué. Oui, voilà, merci. Là, au début du niveau, il fallait faire comme ça, tu vois. Et voilà. Allez, retour. Désolé, moi je suis tout petit, ça sert à rien. Bon, je démonte. Non, pas comme ça. Là, c'était ça, mais bon. Bon, on va arrêter nos conneries. Je vous la faire à la version très rapide. Très rapidement dans le trou. Oh, puis j'en ai marre. Comment passer la cinématique? Ça, j'avais dit que c'était pas le poli de donner un coup de cul aux autres. Ah, pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, pas ça! Il est tout gentil. Et il s'est pris une boule de feu dans le cul. Comme dirait Sébastien, la plume dans le cul. Et le mauvais. Allez, prends-nous la flûte. Ok. Ah bah il y est. Bah oui. Il y en a deux. C'est au niveau 4 je crois là, non? Non, c'est... non, faut juste... Oh, quand je vais voir, je sais où la trouver, mais... De toute façon, c'est pas compliqué. Faut se dire que... Les blocs, c'est toujours coloré. Sauf un. Dans ce niveau ou dans l'autre. Ah bah dans celui-là, voilà. Le bloc volant. Il est joli. Faut arrêter d'abuser de l'émulateur. Voilà, ça n'a pas assez la cinématique. Il faut quand même prendre la... Et il a perdu autant de temps en ne prenant pas la flûte. Bon allez, maintenant on va prendre l'autre et il va nous défoncer Bowser. On va jouer comme ça. Oh, oh putain. Il est énorme celui-là. Oh le passage. Oh là vous allez vous la remettre là. Alors ne me demandez pas comment j'ai fait, je ne suis pas assez spécialiste. Trop fort. Oh, merci. Oh non, elle est trop fort, et avouez-le. En version accélérée, j'avais gagné 2 vies, franchement. Précisons qu'à ce moment-là, le jeu était en vitesse normale et que nous l'avons foutu en vitesse maximale pour vous faire croire qu'il était hyper chanceux. Non, non, franchement, non, il a vraiment eu du coup. Non, c'est juste de talent, c'est tout. Oh bah, il est tout coincé. Et tu restes enfermé dans cette salle pour toujours. Mais hey, comment tu fais pour les objets? B, je crois, non. You are a little fucker. Ah, pardon. Bon, bah, allez au... Ah, ouais, t'aurais dû aller d'abord au niveau 2 de façon normale, comme ça t'aurais pu aller vite. Non, pas ça. Il est con. Et qu'il est con. Bon, c'est pas grave. Allez. Attends, tu vas pouvoir aller au 5, 6, 7. Non mais je voulais dire, fallait que t'ailles faire le 2, faut que tu finisses le 1 pour aller au 2, ensuite que tu utilises la première flûte pour aller au 4, 5, 6... Ah oui, 5, 6, 5, 6, 7 et après l'auto 8. Ah oui, ok. Oh, je s'en fout, de toute façon, là, testing live est bientôt terminé. Ouais, il va être là dans... Oh, il est mignon, lui. Il était mignon. C'est l'été joli. Moi, je dis... Rien de vous, un mot de coup de queue. Papa, il faut des coups de boule. Non, par contre, tu peux appuyer sur le sur la flèche que tu connais pour accélérer le jeu. Et aller dire bonjour à la caméra. Ah bah oui, bah tiens, tu penses. Tu m'as fait perdre un truc. Et alors? Alors là, à elle, faut lui sauter dessus. Oh, merde. Et le jeu, le bougre.
Bah quoi, ça marche pas. Voilà, désolé, c'est un épisode rétro spécial émulateur aujourd'hui. Spécial déconnade complète. Ah non, mais au moins ça va faire du bien. Oh. La flotte. C'est la flotte de chez nous. À la bonne flotte de chez nous. Amora. Non, pas de marque. Abora. Abora, pour la moule des beaux. Faut viser le truc vert là qui descend. Ah oui, en plus t'as réussi à te le prendre du premier coup. Ah bravo. Faut remonter la casquette. Ah, je savais pas que c'était aussi vicieux les carapaces. Ah mais il y en a, ils sont... C'est assez barbare. Reprenons la logique du jeu. C'est logique, toi. On n'a pas la même notion de logique. Bah quoi ? Ça marche pas comme ça ? Oh. Mais qu'y a-t-il là-haut ? Un tuyau. Une carapace. Motherfucker. Un Koopa. Koopa Cabana. Ma bosse à la playa. C'est sa gymnastique. Enfin bref. Ah là là, j'aime bien. Eh oui, cette musique est magnifique. Ça n'importe quoi. Et voilà, c'est fini. Bon, on va vous laisser dessus sur ces belles conneries de... d'un testing rétro version Super Mario All-Star en multijoueur. Ah bah voilà. On vous montre comme ça en plus Street Fighter. Bah écoutez, c'est magnifique. Bon bah d'ici là, on vous dit portez-vous bien et puis à la prochaine. Hein, qu'est-ce que je vous dis ? Allez, salut à tous. N'importe quoi. Bah si, version Benny Hill de Street Fighter. Allez. Allez, salut à tous.